bus vient d'arriver, ligne 4. Alors, quelques éléments importants parce que c'est une fête où il y a beaucoup de collégiens, il y a 1200 jeunes sur le parc aujourd'hui qui présentent, et c'est ça qui est intéressant aussi, leur projet, donc ils sont en même temps acteurs et spectateurs. 51 collèges, 57 projets, 90% des collèges ont pu participer à cette fête. Et voilà, je crois que ça nous met du soleil dans le cœur. Dans le livret, vous avez donc les différents chapiteaux. Tout au long de la matinée, vous allez pouvoir, on va bouger de lieu en lieu. Ce qui est intéressant, c'est que chaque chapiteau propose des choses différentes. Vous avez théâtre, danse, musique. Elle va les toucher et s'allonge elle aussi à côté de son mari. Il a dit, quelle est cette mioche ? C'est l'occasion de se rencontrer, vous vous rendez compte, il y a 6 ans, ils ne se connaissaient pas. Les collèges, il y avait une étanchéité, on ne se connaissait pas, on ne se rencontrait pas. Là, ils se rencontrent, ils voient ce que leurs amis des collèges différents apportent. Hein. Et puis, c'est la France de demain, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme. La famille était fort pauvre, ils n'avaient même plus de Haribo. Haribo, c'est gros la vie, plus t'en manges, plus tu grossis. Pour la première fois, je viens donc à cette fête des collégiens dont j'avais beaucoup entendu parler. Et je dois dire que c'est vraiment une fête quand je vois la mobilisation joyeuse de tous les élèves et de toutes les personnes qui les accompagnent. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais c'était génial, ouais, j'ai bien joué, c'était une expérience à refaire. Et puis enfin, remercier le conseil général, parce que quand je vois la logistique sous-jacente, je suis impressionné par cette organisation, et je voudrais vraiment saluer cette initiative qui est reconduite tous les ans et qui témoigne d'une mobilisation très conséquente. Il y a une vingtaine de personnes qui sont mobilisées en cours de l'année. Hein. De cette fête. C'est super bien, voilà, ouais, on s'est vachement éclaté. Voilà. La musique, c'est trop bien. Ouais, surtout le concert. Surtout Alinor. Parlez des autres collèges, qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup de choses, on apprend ce qu'ils font et ce qu'ils ont. Après, ça nous donne des idées aussi, ça nous donne des idées pour après. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes à la 6e fête des collégiens. Cette initiative avait pour but de valoriser le travail effectué par l'ensemble des collèges dans le cadre des parcours culturels que nous mettions en place il y a 6 ans, qui se sont d'ailleurs élargis à d'autres aspects, puisqu'il y a aujourd'hui tout un travail qui est fait sur l'environnement, sur la culture scientifique et technique, sur la citoyenneté. À table, la salade est prête. T'es pas fini, oh! Mon verre, tu t'emmerdes, toi! Y'a pas de place pour vous ici! Le racisme, c'est quand on rejette des personnes à cause de leur couleur de peau. On le rejette parce qu'il est différent. Le racisme, c'est une forme de discrimination, une attitude qui considère l'autre inférieur à cause de sa couleur de peau, origine, religion. Une des copies au dessinat, tout anul, illustrati, des povești, en română et en français. Vous avez compris ? Non. Oui. On vient du Collège Montjousse et on a comme projet de faire un livre avec des correspondants roumains. Moi, je dis souvent, ça permet vraiment d'aller vers cette égalité des chances que j'ai toujours défendue. Tout le monde n'a pas la chance de naître dans un milieu socio-culturel privilégié. Et là, tout le monde, grâce au service public laïque de l'éducation nationale, voilà, on a des collèges publics qui ont montré encore aujourd'hui, n'est-ce pas, la force, le talent de tous ces jeunes qui sont la France de demain. Bien sûr, mon enfant, ne perdez pas espoir. Je suis là pour vous aider et vous conseiller. Prenez la route qui vous conduira à l'Oasis. Aloha. Le vent se leva progressivement, un brouillard de sable s'y forma. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, tout était redevenu clair. On a écrit
pendant plusieurs semaines un conte à partir d'une chanson de Swann Massy qui parlait de l'univers du conte, Conte des mille et une nuits, voilà. Donc c'est un beau projet, les élèves étaient très motivés, on a fabriqué les décors, ils ont appris des textes en arabe parce qu'on travaille aussi avec le professeur d'arabe sur ce projet. Très important, deux prochains plastiques. D'un côté, tout ce qui est plastique, et de l'autre, tout le reste. Ça marche ou pas? De l'association sportive du collège et avec les élèves nous travaillons depuis le début de l'année sur un spectacle de fin d'année. Mon but c'était de faire qu'ils s'approprient tout ce programme de Géo sur le développement durable en étant amené à créer, à partir des thèmes qu'on avait déjà étudiés, à créer, à réinvestir le vocabulaire un peu spécifique appris, tout en y ajoutant la créativité propre à la chanson, la poésie, l'imagination, le... Hamlet, il décide de tuer le roi. C'est moi. Attends, mais... C'est moi. Mais il va planter son épée dans le rideau de douche si tu es en l'engueulant. Je me félicite évidemment de cette action de partenariat qui s'installe dans le temps et puis plus généralement du partenariat que nous avons avec le Conseil Général puisque tout à l'heure nous allons signer une convention sur l'éducation artistique et culturelle et je crois qu'elle est très emblématique de cette manifestation aujourd'hui. Les filles seraient incapables car elles sont des filles. Nous avons mis en place dans le collège un club vidéo qui a lieu entre midi et deux, qui regroupe des élèves volontaires allant des classes de 6e jusqu'à la 4e cette année. Et l'objectif, c'est de réaliser des petits films, alors de les tourner, de les monter et puis évidemment de les diffuser. Elle était là, elle était sur l'équateur, elle représentait la Terre qui ne bougeait pas et elle lançait un objet vers le pôle Nord. On s'occupe des plastiques qui s'accumulent au cœur des océans. On a rencontré un explorateur qui s'appelle Patrick Dexon. Il avait ce projet d'aller donc dans le Pacifique Nord pour aller rencontrer ces fameux, ce qu'il appelle le 7e continent, c'est-à-dire un endroit où il y aurait beaucoup de déchets plastiques dans l'océan Pacifique. Effectivement une très très belle journée parce que ça permet aux élèves donc, de ce département, en partenariat avec beaucoup d'artistes, beaucoup d'intervenants de structures culturelles, de présenter les projets qui ont mûri pendant l'année scolaire et qui sont des projets qui leur ont permis de développer toute la créativité qui est la leur dans de très très nombreux domaines, les domaines du spectacle vivant bien sûr, les domaines de la musique. Et là, on s'est lancé dans un thème commun, donc avec l'atelier de percu et l'atelier d'écriture. Donc le plus dur, ça a été de coordonner un petit peu tout le monde, mais on a obtenu un super résultat et moi, je tenais à les féliciter et leur dire bravo. Merci. 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 L'Académie est à mes côtés. On a fait le tour des projets extraordinaires. Je voudrais vous féliciter vraiment tous ces projets artistiques, culturels, scientifiques. Bravo à tous les collégiennes, à tous les collégiens de la Gironde. Bravo aux chefs d'établissement.
Le principe d'inviter tous les plein de collèges et de leur faire participer à un spectacle, c'est bien. Moi je suis ouais, c'est sympa, en plus là il y a le concert en ce moment, donc là on va y retourner. Los que quieran dinero.